de l'équipe handisport de Mélan Grenoble qui s'était essayé. Alors il y a le décollage qui est un peu technique, mais une fois qu'on est parti, on vole comme les autres. Alors effectivement, là sur le Saint-Hilaire du Touvet, c'est un décollage qui est très technique parce que le fauteuil doit rouler longtemps. Donc là, les images se passent justement à Saint-Hilaire. Sur notre site de Courté, on a un décollage beaucoup plus adapté, c'est-à-dire que le fauteuil a besoin de rouler beaucoup moins longtemps. Et on a un résultat et un plaisir des gens après le vol qui est décuplé. Donc effectivement, voilà, donc là en l'occurrence, c'est exactement le matériel que j'utilise, c'est moi en l'air avec les basketteurs de Mélan. Et la justement. Réception, alors comment ça se donc passe? Donc la réception, là, le fauteuil roule un tout petit peu. Là depuis, on a encore des nouveaux fauteuils qui sont encore plus confortables, encore plus adaptés à un plus large public au niveau du handicap. Et toute cette technologie, cette avancée, cette expérience nous permet de voler de mieux en mieux en fauteuil. Donc c'est le dimanche 9 juin, une journée voilà. Unique, j'espère qu'il fera beau, mais vous aurez sûrement du succès. Le parapente, Yannick, vous avez déjà testé? Pas encore. Peut-être l'occasion là, non? Pourquoi pas, mais il a pas l'air... les inscriptions sont ouvertes. C'est très demandé. Ah, il va pas vouloir prendre la place de quelqu'un. Non, il sera le bienvenu de toute façon, au même titre que les autres personnes qui organisent cette journée.